Hey yo YouTube, ici Kate et Mutsu en direct du Commonwealth pour reprendre l'épisode sur Fallout là où nous l'avions laissé hier. J'espère que tout le monde va bien. Ici, encore une fois Mutsu, accompagné de la chère Kate. Salut Kate. Avec bien sûr Nick Valentine, l'inspecteur. Oui, il fait demi-tour, c'est ça, laisse-nous un peu d'intimité. L'inspecteur synthétique cybernétique, n'est-ce pas Kate? Allez, non, ça va. Donc je suis passé par la maison, j'ai un petit peu rangé les affaires, tout ça, histoire d'être prêt pour enchaîner sur cet épisode. Il est IRL actuellement, je pense, quelque chose comme peut-être 9h du matin, et je me suis dit que j'allais vous enregistrer des épisodes, hein, voilà, tout simplement, le superviseur White. Bah tiens, on va aller faire ça, et on va se rendre donc à Grey Garden, dans la continuité de ce qu'on avait fait hier. On est allé utiliser, non, mais où on était allé nettoyer l'usine de traitement de l'eau de Weston pour le superviseur White. Donc, hop, voyager rapidement jusqu'à destination. C'est parti, je vous passe le chargement. Bien. Bah oui, c'est là. Forcément, c'est bien ce qui me semblait. Souvenez-vous, hein, je me souvenais pas où est-ce que j'avais pris cette quête. Mais souvenez-vous, au tout début du jeu, c'était vraiment au début. Je passe par là. Je tombe sur ces robots. Et il y avait le superviseur Watson qui doit être là-dedans, voilà, il est là-bas. Qui du coup m'avait dit, il m'avait parlé en fait de leur pépinière. Je crois que c'est une pépinière. Il m'avait dit oui, on a des problèmes avec l'eau, etc. Il faudrait que vous alliez nettoyer. Vous avez résolu notre petit problème d'eau. Oui. Absolument, madame. Coquine. Un parfait gentleman en plus. Je dois absolument vous donner. Eh, vas-y, tente-toi, robot. Prenez quelques-uns de nos produits. Je vais aussi dire à Grigny de vous faire une remise. Fruits mutants, melons, courge. Sur ce, il faut de ma gueule. Épi de maïs. Ciao. Je veux maintenant utiliser cet atelier Grey Garden. Ah, ouais, ça me sert de nouvelle base en fait. Ah, ouais, d'accord, nice. Nicely. Je ne serai pas contre une bonne petite. Ah, je croyais qu'il allait dire autre chose. Donc, j'en suis où de mon niveau, mes amis? Niveau, ben voilà, parfait. Charisme. Charisme. Ah putain, ah non, chef local. Voilà, je peux mettre mon deuxième point. Oui. Ce qui fait que, du coup, je vais pouvoir construire ceci. Ceci expliquant cela. Atelier de chimie. Une cuisinière. Poste d'armure assistée. Oh. Bon, là, on a clairement pas le matos pour faire ça, mais poste de cuisine, établi d'armes, établi d'armure. Et ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon parce que du coup, ça va me permettre tout simplement, dans ma première base, d'aller vous faire l'épisode sur le craft que vous désiriez tant. Et oui, les amis. Mais on va pas faire ça maintenant, puisqu'on a déjà commencé sur... carburant de Mr. Henry. On avait déjà commencé sur une espèce d'épisode où il allait y avoir des têtes qui vont sauter, donc du coup on va essayer de se mettre en quête de têtes. Par contre, je n'arrive pas à ouvrir mon Pip-Boy, c'est normal. Que se passe-t-il? Oh, mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qu'il se passe? Les gars, j'ai le Pip-Boy, il est cassé, je peux plus ouvrir. Merci. Donc, données. Documents techniques, on s'en fout, les trucs d'enquête. Tiens, si j'allais lui filer des... Ouais, mais j'ai dû les stocker entre-temps. Quoique. Je vais aller faire un tour quand même. Je vais aller faire un tour. Goulland. Goulland, c'était là, je crois. Oui.
Allez, c'est parti. Ok. Gouland, 5 minutes d'arrêt. Gouland, 5 minutes d'arrêt. Me serais-je trompé? Non, c'est là. Hein. Oui, c'est là. Et par ici. Est-ce qu'il ne serait pas goulifié x12? Salut! Salut! Et voilà! N'oubliez pas, j'ai toujours besoin de ces pièces détachées. La vieille usine d'Atomatoys est juste au sud de Quincy. Resserrez ça. N'oubliez pas. Ouais, bon, ok. Donc, du coup, soit. La vieille usine d'Atomatoys. J'ai pas les pièces dont il a besoin sur moi. Et dans ces cas-là, la quête peut pas être validée. Soit, effectivement. Je vais avoir besoin de. D'aller à l'usine Atomatoys pour. Ouais, voilà, c'est ça. Donc je pense que je vais aller me faire ça, ça peut être sympa. Centre hospitalier Milton. Non, putain, c'est juste ça, j'ai pas découvert. Oui, voilà. Et je vais me faire tout ça en longeant le marais, comme ça, ça va être pas mal, je pense. Donc soit effectivement. Soit effectivement, il faut absolument trouver les parties du Udada qui correspondent et que je ne les avais pas. Du coup, j'ai pas pu valider la quête. Soit il faut trouver les parties du Udada qui correspondent et en plus au bon endroit. Bon, voilà. Ce qui m'étonnerait, puisque je pense que connaissant Bethesda, il y a plusieurs façons de finir la quête, mais bon. On se retrouve tout de suite après le chargement. Allez, c'est parti, on est arrivé. Donc. De mémoire, oh putain, il y a un groupement de chiens là-bas. Je vais leur caler une grenade. Hop là, pela. Grenade à frag, 6, parfait. Huss. J'envoie une grenade. Je les ai pas touchés, hein. Ou j'ai envoyé trop loin. T'as entendu quelque chose? Bah ouais, j'ai entendu, j'ai vu. Boum. Ouais, parce que le calbo albinos légendaire, les gars, il faut tout lui mettre dans la tête. Tête. Et... c'était pas la tête, ça. On l'a vu. C'était un léger coup. Oh, le chien calbo sauvage dominant. Tu vas pas dominer longtemps. Ok, plutôt pas mal. Kaitokak, qui a l'air de bien tenir pour le coup. Moi, j'arrose derrière. C'est pas mal. On va bien trouver un truc intéressant. Oui, la viande pour le repas de ce soir. Oh merde, j'ai ramassé un truc, je sais même pas ce que c'est. Attendez, inventaire. C'était une arme ou une tenue à votre avis? Plasma, fusil de combat, non c'est pas ça. C'était une tenue. Anti-mutant, brassard d'armure. Je pense que c'est ça, ouais. Ok. Bon bah c'est bien, à la fin, quand le let's play sera ultra avancé, je mettrai le jeu en méga dur. Et j'aurai un stuff résiste à peu près pour toutes les rencontres. Donc du coup ça me permettra de... Bon, je pourrais pas me trimballer avec tout mon stuff à chaque fois, mais selon l'endroit où je vais... Selon le type d'ennemi que je rencontrerai, je pourrai adapter mon équipement à la manière du caméléon. Place des artilleurs. Il est où ce fou? Il doit être quelque part là-haut. Ok. Le caporal des artilleurs. Et il a un putain de Fatman dans les mains. A votre avis, si je tire dans la roquette, est-ce qu'il y a moyen? Non. Ah, attendez, on peut faire un beau truc là. Oh putain. Ah.
Oh, le bruit, c'est trop bon, quoi. À la roquette nucléaire, on se fait tirer dessus, quoi. C'est n'importe quoi, ce jeu. Oh, putain. Les mecs se prennent à coups de mini-nuke. Ils ont plus le temps, quoi. Aïe, aïe, aïe. Alors... Fuck, fuck, fuck. What? 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 Aucune chance de toucher. Porqué. Oh putain de bug à la noix. Je suis désolé, Kate. Je peux vraiment pas t'aider là. Because I am bugged. Ouh. Tu l'as pas. Tu l'as pas lutté. On se retourne. Tête. Et j'ai pas assez de PA pour l'autre. Boum, raté. Ah. Boum. Ok. Quelques petits soucis de... Oh, attention, il y a de l'essence, là. Quelques petits soucis de... Don't feed the bears. Ok. Ne nourrissez pas les ours. Merde, j'ai ramassé un truc que je voulais pas ramasser. J'avais quelques petits soucis de visée. De visée. Brosse à dents. Sérieux, quoi. Cartouche électromagnétique 2 mm, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est des cartouches électromagnétiques de 2 mm en plus? Dans quoi ça se met? Ma foi. Et ça là, il n'y a pas quelque chose là-dedans, mais il me semble avoir déjà fouillé ça. Bon. Admettons. Soldats des artilleurs. Ah, il y a des tics là-bas. Il n'y a plus le caporal qui est planqué dedans. Place des artilleurs. Le problème, c'est que c'est sur ma route. Donc, soit je l'esquive. Bon, allez, je vais l'esquiver. Je vais l'esquiver et on va passer par les tics. Dans l'aile. Zouillon. Oh oui. Elle. Merde, putain, j'allais faire. Tête à tête avec mon couteau, ça te branche ? Le critique. On surréacte, on met le... Bim! Le critique, voilà. Elle est pas morte! Ça va, Kate? Ok. Ok. Allez, petite sauvegarde, hein, comme à chaque fois qu'on tue des tics. Derrière, toujours, il faut sauvegarder. C'est l'essence, à votre avis, qu'elle a dedans? Alors ça, si ça explose, mon Dieu. Oh, 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 oh. Vous voyez de quoi je vous parlais? Qu'est-ce que c'est ces délires-là? C'est une voiture en feu, je l'avais pas vue. Ah non, dans une maison. Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Ah, c'est peut-être ça qui a explosé. Mmh. Ça a foutu un bordel en tout cas. Ivrogne.
S'il faut, le mec s'est fait péter, il s'en est pas rendu compte aussi, hein. Possible. Oui, si. Oh, il y a sa tête. Lol, tête. Ou alors un accident qui a mal tourné dans l'atelier de chimie, peut-être. Ouais, bon. Écoutez, les amis. Continuons notre trajet. Je vois du feu là-bas. Ah, ces armes qui veulent pas sortir à chaque fois. Qu'est-ce que c'est? C'est des pillards, ça, non? Oui, oui, c'est des pillards, ça. Pillard fouineur. Ok. Tête! T'as entendu quelque pas chose? Pas mort, putain. Attention. Nuque! Ah, ils savent d'où ça vient, je crois. Ok. Attention. On attend que les PA se rechargent gentiment. Toujours pas. Toujours pas. Voilà. Boum. Oh, il nous tire dessus, je crois. Ah, il a fait un succès bourreau du travail. Boum, tête. C'est une hécatombe de tête. Ah, putain, c'est trop bon ce jeu. Des têtes ont volé. Un soleil. Fais-moi signe si tu trouves des munitions. Un soleil en forme de tête se lève. Beaucoup de têtes ont dû voler ce soir. Alors, voyons voir. Plutôt que de raconter n'importe quoi. Normalement, il y avait marqué qu'en une balle. Voilà, je la faisais péter. Ok, on va aller vider ce camp du coup. Le Legolas de la tête, quoi. Lego tête. Fourchette en or. Casse-toi, le corbeau. Minafrag, je prends reconnaissance, puissance, arme à verrou. Tiens, pourquoi que des armes à verrou de fortune? C'est nul. Il y en a vraiment qui sont pas tranquilles, mes amis. Hein. Tiens, regardez ça, un château. Une espèce de place forte. Est-ce qu'on y est déjà allé? Ou alors ça, qu'est-ce que c'est ça? Oh putain. Ah. D'accord, donc c'est pas un château, hein. Je vous ai dit que c'était un château, mais c'était une église en fait. Quoi qu'il en soit. Raté. Mais non, on n'est pas suivi. Quelqu'un vient vers nous. Oh putain. D'accord, Kate. Ok. Vas-y. D'accord, elle s'est fait enchaîner. Ah, par la goule. Ouh. Ah, il y a les vertiptères et tout. Qu'est-ce qui se passe encore? Reflex. Ok. On prend d'assaut la position. D'accord. Une balle dans le bras qui rate et... Oh non, en fait elle rate pas du tout. Bras. Novice. Pourquoi il est rouge? Ça y est, je suis ennemi avec eux, c'est officiel.
Une canette. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est eu la fusion. Il y a tout qui pète dehors, tu sais, le mec est là, il s'en fout, il loot. J'en ai pas forcément besoin de ces bouts d'armure, surtout qu'à mon avis. Voyons voir. Inventaire. Oh, quoique, ça se porte, ça. Pas du tout. Kate. Hey. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un truc pour toi. Sympa pour moi. Si, si, justement. Par contre, tu feras attention avec la pluie, tu es toute mouillée, ma chérie. Oh, toi non plus, tu peux rien transporter de plus, c'est sérieux, on pèse déjà si lourd que ça. J'ai rien ramassé, quoi, c'est chaud. Jambe droite d'armure de combat. Tu peux courir? Ouais, ça va, je peux courir. Petite save. Alors apparemment j'étais en ennemi, tagué en ennemi avec la... Qui c'est ça? Ouais parce que ça c'est stressant. Wow wow wow, d'accord c'est profond. Oh. Salut. Hey. Wow wow, une mine. Ah. Salut. Non jamais, ils sont où? Là-haut. C'est qui lui? Scutter. Oh, c'est un boss, ça? Qu'est-ce que c'est, ça? Boum. Boum. Oh, tiens mal. On lui fait un feu nourri. Maintenez la pression. Bien joué. Il y en a partout. Oh, continue d'avancer. Ne re... Wow, wow, putain, j'ai pris ultra cher. Il y a un truc légendaire dans la flotte. Il y a un... Oh, putain. Il y a un autre scribe qui est mort. Oh putain. Oh. What? Pillard légendaire. C'est lui qui leur fait ça depuis tout à l'heure. Boum. 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 Allez, vas-y, donne tout, bébé. Merde. Il s'est passé quoi? Ah ouais, c'est lui, c'est lui. Il met des douillasses, les gars. Mais genre, des belles douillasses, quoi. Hein. Par contre, c'est sérieux, là, la flotte de partout? Il est où ce con? Il est où? Il est là, derrière le mur. Pas la bonne arme. Oh putain, merde, il est juste là. Non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Pas mort. Voilà. Je sais pas où elle est Kate, hein, les amis. Attends. Entendu? Eh oui, j'ai entendu. Je dois être à cran. Ok. Alors. Il est passé ce connard. Ah merde, même. Fais voir ta gueule. Allez, pas les timides. Par où je vais passer les amis? Je leur fais une intervention musclée. Je crois que c'est celle-là d'arme. Ouais, c'est celle-là, je crois. Ah putain.
sert à rien de se cacher. Ce sera bientôt fini. On a investi le complexe. Ah, Sam Fisher. Putain, ils sont là. Aucun signe. Ils doivent être au-dessus. Il y a des bruits dans tous les sens. C'est infernal, là. Ok, ils doivent être au-dessus. C'est bien ma veine. Il y a un chien. Ouais, il y a un chien. Je sais pas où il est. Il y a le pillard légendaire de la mort qui tue tout. Je ne sais pas où il est non plus. Il doit être par là. Le chien est là déjà. Dans le poitrail. Raté, forcément, j'étais très mal placé. Tête. Oh, du jus vert dans ta tête. C'est que dalle. Ça se prend pas ça. Ha. Normalement, le pillard restant est dans le coin. Déjà là, il y avait Scutter. Tireur d'élite, calibrage et puissance, fusil de précision. Alors voilà, j'allais dire je vais le ramasser pour voir ce qu'il donne. Je sais que je vais être full. Ne vous inquiétez pas. 77. Ouais, c'est à peu près le même que celui que j'ai en fait. Hein. Concrètement, il est où le mien? Il est là. Ouais, c'est les mêmes à peu près. 77, sauf que moi j'ai le silencieux. J'ai moins de portée. J'ai moins de portée. Je vais les jeter parce que ça pèse lourd ces conneries. Faut que j'arrive à trouver le dernier là, le pirate, le pillard légendaire. Mais j'ai aucune idée de la façon dont je pourrais me rendre à son niveau, à moins qu'il soit... Oh, putain, il est là-bas maintenant, ce con, regardez. Ah, je peux pas cliquer sur sa tête. Boum. Quelqu'un se fout de nous. Mais non, chérie. Ah, il va trop vite. Ok, ça, on va le voir passer par là. Ouais, voilà. Ah, j'ai pas été assez rapide. Allez, montre-toi. Tu l'avais pas volé celle-là. Tu l'avais pas volé celle-là. Anti-mutant, épée d'officier chinois. Oh. Un glaive. 50% de dégâts en plus contre les mutants. Un bon moment ici. Oh là là, haute sensibilité, fusil d'assaut plus. Je prends. Je prends mon ami, je prends. Tenue. Bon les gars, je vais faire un truc, c'est que... Eh ouais, mais la T60B quand même, hein, je suis pas sûr que... Je vais donc... Je suis à 310 comme ça. Si je mets mon stuff poche... Parce que j'ai un stuff poche, bien entendu. Tenue de milicien, je passe à 330, ce qui fait que je peux continuer à me déplacer. Voilà. Il y a toujours des solutions. Bon, en tout cas, on s'est mis bien là, hein. Ouh là 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 là. Alors, voyons voir un peu. Arme. Haute sensibilité, fusil d'assaut. Dégâts 42. J'imagine que haute sensibilité, ça doit vouloir dire quelque chose comme ça tire vite. Oh oui. Ce. Oh là là. Oh, ça TP. 7 TP.
Il est où? Haute sensibilité, fusil d'assaut. Ok, sauvegarde. Parfait, bon, on va faire un petit tour. C'est quoi ça? C'est un vertipter qui s'est écrasé, non? Oui, à tous les coups. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. En même temps, vu comment ils étaient armés, tu m'étonnes qu'ils aient réussi à down un vertipter, quoi. Les mecs étaient surarmés, quand même. En plus, ils sont dans une position quand même assez... Comment ? Assez avantageuse du fait qu'ils soient entourés par de l'eau. Alors, à moins qu'ils se fassent attaquer par des vaseux. Ils sont quand même plutôt bien, du coup. Donc, ouais, non, franchement, endroit sympa. Endroit sympa. Alors, attendez, hop. Soin. Tagalat, soin de soin. Right away. Ils sont où? Ils sont là. J'en prends deux. Kate, moi je fais un somme, hein, si ça t'intéresse. Voilà. Parfait. On se retrouve full life. Je vais essayer de pas tomber dans l'eau. Ah putain. Comment gaspiller du radeau, quoi? Pas très grave, j'en reprendrai un. Je fais juste un petit tour rapidement de la zone pour voir un petit peu s'il n'y a pas des pièces, des endroits à fouiller que je n'aurais pas vu. Donc. Ah mais je sens que... Ah, je te jette. Mmh. J'avais pas vu cette pièce. Si? Ouais, si, j'ai dû y passer vite tout à l'heure. Bon. Il doit y avoir un coffre, il doit y avoir un... encore du stuff planqué quelque part, je pense. Puisque ça a toujours été le cas. Donc, donc je vois pas pourquoi ça ne le serait pas maintenant. Là-bas, il doit y avoir un cadavre à looter, a priori. Ah, j'ai raté le toit. C'est bien dommage. Bon, bah tant pis, du coup. Et a priori, je pense que... Juste... Bon, en fait, haute sensibilité, ça veut dire que parfois, j'ai l'impression qu'on peut tirer de balles. Du coup, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Avec Kate, on va attendre et passer la soirée là-dedans, je pense. On va attendre que la pluie passe, surtout parce que je déteste ça, j'aime pas la pluie, ça provoque des orages radioactifs après, vous savez que j'ai horreur de ça. Donc moi je vais vous laisser, je vous dis à demain, en attendant portez-vous bien, et on se retrouve très bientôt, à très vite, bye bye tout le monde, ciao ciao.